Camille Lacour et Valérie Beigue se sont aimés pendant 6 ans, un amour scellé par un mariage en août 2013. Malheureusement, 3 ans plus tard, l'ancien nageur et l'ancienne Miss France, tous les deux âgés de 37 ans, ont divorcé, une séparation que l'ex-roi des bassins avait choisi d'officialiser dans les pages du magazine Gala. De leur histoire d'amour très médiatisée est née une petite fille prénommée Jazz, le 20 octobre 2012, et qui a pour marraine une autre ancienne Miss France, Alexandra Rosenfeld. Depuis leur séparation, Camille Lacour et Valérie Beigue ont la garde partagée de Jazz, une alternance qui s'opère dans la bonne entente. Nouvelle preuve en est avec l'arrivée de Valérie Beigue à Marseille, où Camille Lacour habite à nouveau avec sa compagne Alice Détolénard, ancienne Miss Bourgogne, et leur fils Marius, né en juin 2021. Pour les fêtes de fin d'année, Camille Lacour a été séparée de sa fille Jazz, partie avec sa maman loin de la métropole. Si Valérie Beigue n'a pas dévoilé la destination de leur voyage dans les images publiées sur sa page Instagram, il est plus que probable qu'elle ait mis le cap sur l'île de la Réunion, d'où est originaire l'ancienne reine de beauté devenue comédienne. Si est-il non sans un immense bonheur que Camille Lacour a alors retrouvé sa fille au premier jour de ce mois de janvier. Le 5 janvier dernier, l'ancien nageur a publié plusieurs photos de lui avec sa fille Jazz en train de se promener le long de la mer à Marseille, lui en train de courir et Jazz en train de faire du roller. Ces images ont sans aucun doute été prises par Alice Détolénard, qui avait quant à elle Marius dans une poussette spéciale permettant à la jeune maman de courir. La famille, la mère, le sport, la vie hashtag best life, a commenté Camille Lacour en légende. Une publication liquée par Valérie Beigue, qui elle aussi était à Marseille. Celle qui était aux dernières nouvelles en couple avec George Yates a fait savoir dans une story publiée sur Instagram qu'elle se trouvait dans la cité phocéenne. Voir le diaporama.